toujours en Guadeloupe aux Abîmes. Là, c'est le marché, place de l'Hôtel de Ville. Et donc, c'est tous les vendredis, il y a un marché. Je suis en compagnie de l'une des plus grandes designers, créatrices, que j'ai toujours appelée Coco Chanel, des Antilles et de la Guadeloupe. Bonjour Eliette. Bonjour Vanda, comment vas-tu? Ça va, bienvenue chez nous. Bien, oui. On peut dire que ça fait combien de temps? Ça fait à peu près 5 ans depuis notre première... Ça fait 5 ans que t'es pas... Eliette, si on se mémorise un petit peu ce qu'on a fait sur Paris, le labo ethnique, Adama Paris, qu'est-ce que ça t'évoque, tous ces grands événements de Paris? C'est beaucoup d'émotion parce que je t'ai connue, on s'est rencontrés la première fois au labo ethnique et je me souviens que... il faut que je raconte quand même. Alors, le labo ethnique, justement, j'ai connu le labo ethnique grâce à Alexis Rousseau, que je fais un coucou, parce qu'il était dessus depuis des années en tant que coiffeur. Et nous avons eu l'occasion de faire un défilé en Guadeloupe. Il avait vraiment demandé que ça soit avec Eliette le Superbe, qu'il soit sa designer. Et il m'a dit, mais Eliette, ce serait bien que tu viennes à Paris, il y a un événement, c'est le labo ethnique. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée au labo. L'aventure a commencé sur Paris, on s'est croisés. Alors, mis à part Paris, il y a aussi Bruxelles. Il y a Bruxelles, où j'ai souvent été invitée, Émile de Rosen. Ethno-tendance. Et en fait, à chaque fois, j'ai été présidente de jury, très bien accueillie et tout ça. J'ai fait aussi la Jamaïque, parce qu'il faut dire, comme je dis souvent, la Jamaïque a été mon premier pays du départ, qui m'est cher aussi, parce que j'ai des amis maintenant là-bas. Ça fait quand même 18 ans que je fais tous les deux ans la Jamaïque. Et il y a eu les États-Unis aussi. Donc il y a eu New York, il y a eu Montréal. J'ai aussi j'ai eu un prix à Washington, mais même ma commune, j'ai eu aussi un prix, j'ai eu la plaque des bâtisseurs de la ville et aussi une médaille pour le commerce. On peut dire exceptionnel, mais qui a eu du mal à démarrer et qui a eu du mal aussi à avoir une reconnaissance ici aux Abîmes. Alors du mal, c'est vrai que comme tout, quand on est jeune, on a un rêve, mais c'est aussi mon travail. Et il faut toujours... les débuts, c'est jamais facile en fait. On est dans un milieu de la mode où la mode chez nous n'est pas comme en Jamaïque ou en Afrique où il y a l'industrie vraiment. Et donc il faut vraiment s'exporter des fois et faire un plan de carrière, on va dire, et tout ça. Moi, la mode, je suis tombée dedans, c'est ma vie. Donc du coup, ça n'a pas été facile. Mais ça a été correct, c'est correct parce que j'ai pas fini, je suis encore dedans et on continue. Ça fait quand même plus de 25 ans maintenant, j'ai commencé très jeune et la marque, on l'a exportée partout, un peu partout. Un développement de la marque, mais d'autres choses puisque je travaille, j'ai eu l'occasion de travailler sur du cinéma, de travailler avec des artistes. Travailler pour le développement pour les femmes, donner des cours, l'estime de soi. Donc en fait c'est une histoire aussi de femme, ce n'est pas que la designer que je suis, mais c'est la femme que je suis. Et c'est vrai qu'il a fallu vraiment travailler, j'ai fait beaucoup de collaborations, mais c'est vrai qu'il est clair que Eliette le Superbe a été créé par Eliette le Superbe, et seulement Eliette le Superbe. Je tenais à dire ça parce que quand on fait des collaborations, mais à la base, pour réussir dans un métier, il faut aimer ce métier-là, il faut être tenace, il y a des hauts et des bas, et il faut y aller. Et il faut avoir confiance, il y a la peur aussi, mais il faut avoir confiance en soi et aimer son travail. Donc à la base, il faut déjà soit faire un travail sur soi pour aller plus loin, je pense. Est-ce que les critiques ont forgé le caractère de Eliette le Superbe? Est-ce que les critiques ont permis aujourd'hui que Eliette arrive où elle est aujourd'hui avec toute cette reconnaissance et ce prix des bâtisseurs, que j'aimerais bien qu'on en parle, parce que bâtisseur, c'est
c'est se construire aussi. C'est se construire. Vanda, pour tout te dire, les critiques, je les prends parce que c'est formateur. Les critiques, il faut font avancer, quand, surtout quand elles sont vraiment, elles peuvent apporter quelque chose. Donc moi, je ne suis pas contre la critique, mais il faut que ça soit quand même constructif. Il ne faut pas critiquer pour critiquer. Parce que je dis souvent, il est facile de critiquer, mais faire les choses, c'est encore plus difficile de mettre des choses en place. Je pense que toutes les expériences que j'ai eues, que ça soit du bon, du mauvais, ça m'a forgé mon caractère, mais à la base, j'ai un caractère. Je suis quelqu'un d'assez posé, mais je sais où je veux aller, je sais ce que je veux. Donc, à la limite, ça n'a fait que forger mon caractère, mais aussi m'assagir sur certaines choses et puis être réaliste sur, sur des choses aussi. Et puis, ça construit la femme que je suis. Et puis, mon éducation aussi. J'ai l'éducation à la dure, à l'ancienne, le travail fait. Quand les parents, ma mère, pour elle, quel que soit le métier que tu fais, fais-le bien. Fais-le bien, va jusqu'au bout de ce que tu fais. Donc, il y a cette éducation de base que j'ai, mais tout ce que j'ai vécu dans ma vie jusqu'à maintenant m'a forgé mon caractère aussi. Alors, il y a Eliette le Superbe, la femme, il y a Eliette le Superbe, la créatrice. Quelle complicité ont ces deux femmes en une femme ? C'est une femme avec beaucoup de facettes et une femme vraiment qui sait ce qu'elle veut et qui a un métier, qui est la mode, qui a une vie de femme, une vie de famille et qui englobe le tout et qui fait que c'est Eliette le Superbe. Comment évolue la mode en règle générale, hein, après on parlera de la mode personnelle, des collections personnelles d'Eliette le Superbe qui est la marque, hein, mais aujourd'hui comment évolue la mode, les Fashion Week en Guadeloupe? Alors, c'est vrai que nous avons eu dans le monde cette histoire de Corona et beaucoup de choses ont changé. Nous n'avons pas de Fashion Week réelle déterminée comme beaucoup d'endroits, mais je pense qu'il y a une génération et puis il y a des choses très personnelles qui se font dans les quatre coins de l'île. Donc, du coup, chacun essaie de développer personnellement sa mode et aussi son défilé. Eliette, lorsqu'on fait tous ces voyages avec toutes ces rencontres de différents designers des pays que tu viens d'évoquer, quelle appréhension on a? Parce qu'on est quand même confronté à une culture qu'on n'a pas forcément chez soi ici aux Abîmes en Guadeloupe. On va au-delà des États-Unis, de la Jamaïque, de New York, de Bruxelles et tant d'autres pays. Quelle appréhension on a? Est-ce qu'on doute sur sa couture lorsqu'on travaille avec d'autres designers dans des défilés aussi prestigieux que ça? Pour ma part, quand je vais sur un défilé, je ne peux pas dire que j'ai des appréhensions. Je sais qu'il y a des designers aussi bien que moi, mais je suis venue pour montrer ma mode. C'est vrai qu'il y a beaucoup de designers. On peut aimer X, Y, comme on peut aimer ce que je fais, comme on peut aimer d'autres. Mais il faut savoir que quand on va sur des Fashion Week comme ça, quand il y a de très grands designers, ça peut que te grandir. Quelle que soit de la manière dont tu présentes et que tu fais au mieux, parce que c'est ta personne, c'est ta vision, c'est ton univers que tu vas montrer. Tu n'es pas là, c'est une compétition, mais on va dire c'est une compétition saine, parce que on veut aussi qu'il y ait du monde qui puisse aimer notre marque. Donc je ne vais pas en compétition, je vais vraiment tranquillement, avec tout le stress que je pense que tous les designers ont, sans me dire que je vais égaler XY. Il est très bien d'être sur une Fashion Week et d'avoir des gens de renom et qui ont un travail de qualité. Ça ne fait que te grandir. Moi, j'adore ça. J'adore être avec d'autres designers sur des défilés. Et quel est le pays qui a suscité, non pas un questionnement, mais une évolution dans la couture, dans la prestance de travailler les modèles différemment et une approche de la femme différente? Quel est le pays qui a suscité cet intérêt? Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est New York, est-ce que c'est la Jamaïque? Il y a toujours un pays qui marque. Il y a toujours un pays qui marque et c'est surtout que quand on va dans des pays où
on apporte quelque chose, où on échange, qu'on ne vient pas simplement, parce qu'il y a des pays où je suis arrivée, j'étais invitée pour défiler, donc je n'étais pas acteur ni actrice de ça. Mais quand on me demande, par exemple, d'être jury, de porter ma pierre à l'édifice, là, c'est porteur pour moi et c'est porteur aussi pour ce pays. Le pays qui m'a touchée, c'est Cuba. C'est Cuba. Pourquoi? Cuba m'a touchée parce que, au-delà de tout, il y a l'ancien et le nouveau Cuba, mais j'ai trouvé qu'ils n'avaient pas autant de matières premières que nous. Et pourtant, avec ce qu'ils avaient, ils ont créé des choses extraordinaires. Le défilé, le podium était magnifique. J'ai adoré ce pays, avec ses hauts et ses bas, mais j'ai aimé, puisque nous avons eu des conférences, j'ai été maître de conférences là-dessus, on a parlé de l'histoire de l'art, on a parlé du costume, j'ai eu à défiler, j'ai eu un super podium, c'est la vidéo d'ailleurs que généralement, j'aime tous les pays, j'aime tous les fashion week que je fais, hein. Le Sénégal, le Dakar était bien, mais Cuba m'a touchée, vraiment touchée. Les gens m'ont touchée, déjà là où j'habitais, les gens aimaient, et avec peu, l'authenticité, ce côté moderne et authentique, les deux qui se confondent, et en même temps, ce qu'on est en train de faire, c'est de faire de la récup. Eux, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Le crochet, les tenues d'hommes, ils n'ont pas le choix parce qu'ils sont obligés de recycler ce qu'ils ont. Et au niveau du mannequinat, moi j'ai trouvé ça excellent. J'ai trouvé ça excellent. Les filles magnifiques. Je me posais la question, mais comment elles arrivent à avoir des dessous, tout ce qu'il fallait. Voilà quoi. Et ça m'a touchée. Et c'est un pays que j'aimerais revenir parce qu'il y a des choses que j'ai vues. Cuba, c'est une culture aussi. Ah, hein. C'est une grande culture et les couleurs sont très... c'est beaucoup de patchwork. Il y a beaucoup de volume. Mais c'est faire du neuf avec ce qu'on a. On ne jette rien. On ne jette rien parce qu'on n'a pas la possibilité d'avoir ces matières que nous avons. Donc on est obligé de reprendre ce qu'on a et de faire du neuf, mais de faire des choses extraordinaires. Incroyable. On va parler de la femme qui a retrouvé ses racines africaines, au-delà du défilé. Quel a été ton point de rencontre, Eliette, avec l'Afrique? On ne parle pas du défilé, on parle de la femme, de ses racines et de la terre de l'Afrique. Alors, il faut dire, je ne peux pas parler de Dakar sans parler d'Adama. J'ai pu venir au Sénégal, c'est grâce à l'invitation que m'avait faite Adama pour la Dakar Fashion Week. Elle m'en a fait deux, j'ai pu y aller la deuxième fois, parce qu'on ne pouvait pas par rapport au visa la première fois. Et en fait, elle nous a bien accueillis, mais elle nous a laissé cette opportunité de pouvoir découvrir, d'aller sur le marché. Elle avait fait un circuit, mais on pouvait aussi, nous, faire autrement. Donc, je suis arrivée et j'étais chez moi, en fait. J'étais chez moi. D'ailleurs, je pense que quel que soit le pays où je vais, je ne suis pas dépaysée. Je me sens toujours chez moi. Mais j'étais chez moi parce que je revenais quand même sur la terre des ancêtres et qu'il fallait que j'aille à Gorée. Donc j'ai eu l'occasion d'aller à Gorée. Il m'est arrivé quand même une petite histoire à Gorée parce que... alors c'est un mannequin qui allait et on a été avec elle. Et en fait, il m'est arrivé, dès que je me suis pointée dans je suis montée dans le canot, dans le bateau, j'ai une dame qui m'a abordée et elle ne m'a pas lâchée pendant le voyage. Et en fait, elle me dit, c'est comme si elle avait vu, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle avait vu, mais qu'elle m'avait reconnue en fait. Et donc, je suis rentrée, j'ai visité ce fameux endroit où, on y va tous. La porte du non-retour. Voilà, la porte du non-retour. Bon, malheureusement, on n'a pas pu vraiment tout visiter parce qu'il y avait un ministre qui faisait aussi, donc ils ont privatisé un peu. J'ai vu le cas que nous avons, qui était exposé, que nous avons offert, le Lionnage Guadeloupe-Sénégal.
et j'ai parcouru le village en fait. Et c'est vrai que j'ai eu un peu mal. J'ai eu un peu mal parce que il y a des choses que je m'attendais, que je voulais ressentir et je ne l'ai pas ressenti parce qu'il manquait un truc. Je ne sais pas ce que c'était, mais j'ai eu quelque chose qui m'a. Je ne me suis pas sentie bien tout de suite. Et en fait, j'ai été sur un village où il y avait des artistes où on vendait des choses. Et là, j'ai voulu acheter quelque chose. Bon, j'ai voulu acheter des choses chez chaque femme que je voyais. Et c'est justement cette femme qui était dans le bateau et qui a eu une réaction. Et qui m'a dit, ouais, mais tu es arrivée et tu ne m'as pas regardée. Et là, c'est vrai que je suis partie parce que ça m'a touchée parce que je pense qu'elle avait une maladie de peau, je ne sais pas quoi. Mais ce n'était pas que je ne l'avais pas vue, mais j'avais décidé d'acheter un souvenir chez chaque personne. Ne serait-ce qu'un petit truc pour me souvenir de chaque visage que j'avais vu. Et du coup, je suis partie. Et je suis partie parce que j'étais gênée, parce que j'étais un peu fâchée, on va dire ça. Et je me suis installée quelque part. J'ai parcouru le village. Et là, j'ai eu des dames qui sont revenues. Elles sont venues m'offrir des choses, des bracelets, en me disant que j'étais la bienvenue, qu'elles ont adoré la manière dont j'étais, la manière dont je suis arrivée chez elles. Et voilà. Et donc, il y a deux marchés. Donc, je suis allée, j'ai récupéré des tissus, j'ai acheté des tissus sur un marché. J'ai fait le fort. Le fort, j'ai été un petit peu surprise, mais bon, après. Voilà, c'est goré, hein, mais j'ai été ravie d'avoir été à Gorée. Et j'ai voulu faire le lac rose. On n'a pas eu le temps puisqu'on était là aussi pour la Fashion Week. Mais en tout cas, c'était une belle opportunité d'être à Dakar. Et c'était pour le travail, mais lui quand même venir saluer la terre des ancêtres et le faire bien, j'espère. C'était ma première, mais ce ne sera pas ma dernière parce que je pense que je vais revenir pour autre chose. Justement, par rapport à ce que tu viens de dire, tu as pu trouver la solution. Est-ce que tu as trouvé, je veux dire, le mystère de ce passage que tu as eu? Le mystère, alors je sais qu'il y a des gens qui disent que quand ils viennent à Gorée, ils ressentent des choses. Moi, j'ai ressenti, je ne vais pas dire que j'ai ressenti ce que les autres ont ressenti, simplement j'étais déçue parce que j'avais l'impression que, alors ça c'est moi, mais que c'était un peu touristique aussi. Il y a quelque chose qui m'a gênée, peut-être ça, et après... Je sais pas, il y a quelque chose que j'ai ressenti et que je ne peux pas expliquer. Jusqu'à maintenant, tu ne peux pas l'expliquer. Alors maintenant, je peux l'expliquer. Avec le temps. Avec le temps, je pense que les gens ressentent quand vous êtes vraiment connecté à un pays. C'est pour cela que je viens de te dire que généralement, que je sois dans la Caraïbe, que je sois en Jamaïque ou que je sois ailleurs, je ne suis jamais gênée. Je ne suis jamais... Je me sens toujours chez moi, en fait. Par exemple, quand j'étais à Dakar, on faisait le défilé. J'étais là pendant le Ramadan. Et pendant le Ramadan, moi, j'ai des collections assez, on va dire, pas dénudées, mais chic, mais en même temps, on voit. On était en Ramadan et il fallait absolument couvrir certaines parties. C'était normal pour moi, c'était normal, je l'ai fait, on me l'a demandé gentiment. Et je pense qu'il faut, il faut savoir faire ce genre de choses parce que c'est le respect de c'est une culture aussi, c'est comme nous chez nous. Donc ça ne m'a pas dérangée en fait. Dakar, j'ai aimé, j'ai retrouvé beaucoup de choses. J'ai aimé la Fashion Week, j'ai aimé, on a été très très bien reçus. Et j'ai reconnu des endroits que j'ai, comme c'était chez nous. Je pense que tu t'es reconnecté avec tes racines. Oui. On reste toujours en Afrique, à Dakar, au Sénégal. On va parler des tissus. Est-ce qu'il y a des tissus aujourd'hui que tu peux
mets dans ta collection? Moi, je n'ai pas de limite. Moi, c'est l'inspiration. Quel que soit le tissu, dès que j'ai cette inspiration et dès que la collection me parle, je n'ai pas de souci. Je suis allée sur le marché, j'ai vu des choses extraordinaires. Non, je n'ai pas de problème. Je n'ai vraiment pas de soucis, puisque mes collections, c'est aussi une partie de moi. L'Afrique, c'est aussi une partie de moi et ça ne me pose aucun problème. Alors aujourd'hui, on peut avoir une robe de Eliette le Superbe avec du kanté, du faso d'Anfani, du bogolan. Vanda, quand j'ai fait le labo ethnique, je suis arrivée avec une collection en peau de cabri, doublée avec du basin. Donc, j'ai envie de dire que l'inspiration, c'est en fonction de ce que, du moment et ce qu'on veut faire passer. Donc, à la limite, j'ai envie de te dire que la matière, elle est importante, oui, mais c'est aussi ce qu'on y met et que le message qu'on veut passer. Donc, il n'y a pas de tissu qui ne soit pas noble, à mon avis. Et qui sait, tu verras une collection de tous ces tissus des Eliette le Superbe, tu vas te dire, mais c'est comment ? Mais non, ça ne me pose aucun problème. Puisqu'il y a de grands créateurs d'Afrique qui travaillent très très bien, qui font des choses extraordinaires. Donc je crois que quand on est créateur, on est inspiré à un moment T et on fait des collections qui pourraient étonner ou détonner. Mais en tout cas, c'est ça aussi d'être créateur. Quelques créateurs, je crois, de la Guadeloupe ou enfin, des Antillais qui vivent déjà en Afrique. Est-ce que tu en connais quelques-uns? Alors, j'ai eu l'occasion de croiser, il n'est pas de la Guadeloupe, mais il est de la Martinique. C'est Paul-Hervé Elisabeth. Nous étions à Cuba ensemble, donc du coup, je sais qu'il vit là-bas. Et, c'est installé. Voilà. D'accord. On peut parler de Eli Kouam. Oui, Eli. Allez, on peut lui faire un... Eli, je lui fais un petit coup. Je l'ai croisé, Eli. La première fois, c'était la nuit du glam en Guyane. Et c'est un créateur que j'aime beaucoup parce qu'on l'appelle le petit prince. Hein. J'adore son univers. J'aime beaucoup son univers et je lui fais un petit coucou. Je sais qu'il est revenu à Abidjan, c'est ça, et qu'il fait de très belles choses, puisque je suis quand même mes collègues, on est sur des plateformes, donc on continue à se saluer quand même. Alors, est-ce qu'un jour Eliette décidera-t-elle d'ouvrir une boutique entre la Guadeloupe, soit Abidjan, Dakar, Sénégal, avec un point de vente? Est-ce que c'est quelque chose que tu prévois? J'y ai pas pensé, mais maintenant que tu le dis, moi je pense que peut-être que pas forcément ouvrir une boutique, mais je sais qu'il y a déjà d'autres créateurs peut-être qui ont des espaces dédiés à d'autres de l'extérieur. À la limite, ça ne me poserait pas de problème de pouvoir être chez un collègue qui a un popot sport et qui store, c'est ça? Oui, c'est ça. Et qui ouvre un cornet ou quelque chose pour d'autres créateurs, ne serait-ce que venir sur une vente privée, ce n'est pas un souci pour moi. Ben oui. Alors, on va parler de la Jamaïque. Ah, Jamaïque, si chère à ton cœur. Jamaïque, je l'ai connue je suis venue en Jamaïque la première fois par le biais de, je vais le citer, c'était Teddy Zimamirin qui était à l'ICFC et du coup qui faisait des connexions entre la culture et la Jamaïque et qui avait déjà commencé à travailler avec quelques créateurs, mais qui trouvait que c'était très fermé et qui m'a interpellé un jour sur un rendez-vous et qui m'a demandé est-ce que ça m'intéresserait de montrer une collection en Jamaïque. Et je lui ai dit oui. Et c'est à partir de ce moment que cet amour, ce lionnage s'est fait entre la Jamaïque et moi. Teddy n'y était plus, mais j'ai été beaucoup invitée par l'organisateur de la Touch of Force.
Et donc, nous avons lié aussi par le travail. Ils ont aimé mon travail. Et donc, et chaque fois que j'allais en Jamaïque, eh bien, je n'allais pas que forcément que pour le boulot, mais pour m'imprégner, pour travailler avec ben, une agence hein, d'ailleurs qui est Sainte Internationale, Dwight Peter, qui en est le fondateur. Mais je pense que c'est parce que la Jamaïque a été ma vraie sortie, le premier gros défilé que j'ai fait au Hilton. C'était vraiment là où il y a eu le vrai déclic et là où j'ai connu cette industrie de la mode où les Jamaïcains, c'est vraiment une culture dans la Caraïbe et je ne connaissais pas, parce que chez nous, ça, cette culture, nous ne l'avons pas forcément de cette manière et je pense que c'est pour ça. Et puis après, c'est vrai que de par mon cheminement, ben, j'ai appris à manger naturel et donc il y a tout ça quoi. C'est vraiment cette culture et puis je me suis fait des amis là-bas, qui vivaient là-bas et j'ai appris à connaître la Jamaïque et au fur et à mesure et donc voilà. Eliette, quel est l'esprit de la mode en Jamaïque? Quand j'ai connu la Jamaïque, il y avait beaucoup de coupes avec des tissus très naturels, très nobles, du lin, les coupes vraiment assez standards. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres créateurs qui créent des choses extraordinaires. Par exemple, je suis allée, j'ai croisé une créatrice qui avait une boutique dans un centre où elle faisait des corsets avec de la récup, par exemple. Mais c'est un peu comme chez nous, hein, mais sauf que eux, ils ont des usines, ils ont une industrie de fabrication, ils ont, c'est vraiment bien organisé au niveau de la mode. Maintenant, c'est vrai qu'on a eu ce fameux corona où toutes les industries ont été touchées. Donc, quand j'y suis allée, il y avait des maisons qui avaient fermé. Mais en tout cas, ça reste qu'il y a encore la mode est là. Puisque j'ai vu que l'agence avec qui je travaille de temps en temps quand je suis en Jamaïque a beaucoup de mannequins sur les grands défilés des grands créateurs tels que Gautier. Comme, voilà, donc il s'est très bien exporté sur Paris. La marque va se développer. De toute façon, depuis quelques années, nous avons les bijoux en argent. Comme tu as remarqué, ben, le fameux bijou en or. Et c'est vrai que je ne fais pas d'accessoires pour faire des accessoires. La clientèle demande. Je porte des choses, donc ils ont envie de porter aussi ce que je porte. Et au niveau de la maroquinerie, c'est des petites choses où sur un vêtement qui va être l'accessoire complémentaire, quelque chose de très personnel avec la griffe, puisque maintenant il y a la plaque Eliette le Superbe qui se retrouve sur des vêtements d'hommes, dites hommes, voilà, donc c'est, le mot est lâché. Et qui est des petites séries qui n'est pas forcément en vente, mais qui est bien ciblée en fait. Voilà. Telle d'Eliette aujourd'hui. Alors je vais dire que j'ai une clientèle select, mais je travaille pour beaucoup de toutes les clientèles parce qu'en fait j'ai un espace de vente et j'ai aussi des clientes de longue date qui m'ont connue à mes débuts et qui portent depuis des années Eliette le Superbe, qui a vu progresser la marque et qui restent des clientes et qui sont devenues des amies clientes, on va dire entre guillemets, et qui ne veulent pas lâcher quoi. Et c'est très très bien parce que hormis je fais des robes de mariée, mais il faut savoir qu'il faut avoir autre chose qui soit à la portée de tout le monde et bien coupé. Donc j'essaie quand même, puisqu'on est en Guadeloupe, d'avoir des choses, on va dire correctes, accessibles, on va dire. Pas correctes, mais accessibles au niveau du coût. Comment Eliette le Super gère sa vie de femme, sa vie de famille, la créatrice, tous ses voyages, comment ce planning est-il organisé? Bah, Eliette le Superbe gère comme une femme d'affaires, la femme que je suis une femme avec tous les problèmes de femme et je le gère très bien parce que ça fait des années que je gère ma vie privée et ma vie
professionnelle. Et quand il faut gérer et quand la vie professionnelle prend le pas, il faut savoir refaire les choses. Et je pense que et il faut aussi en tirer des leçons de la vie pour faire mieux ou pour ne pas faire les mêmes erreurs. Et je retiens beaucoup de leçons des deux côtés, c'est-à-dire que ça soit de ma vie professionnelle, ça me permet de grandir et de mettre d'autres choses en place, que ça soit de ma vie de femme ou ma vie de famille, ça me grandit en fait, ça me grandit et j'ai appris beaucoup de leçons ces derniers temps et j'ai surtout appris que on se fait soi-même. Et on fait des collaborations et je tiens à dire ça, je te le redis encore. Hein. Et Eliette le Superbe s'est fait, elle est la seule à s'être fait, même s'il y a eu des collaborations. Mais à la base, il faut avoir le mental, il faut vouloir faire des choses. Et je suis créatrice, hein, je crée des vêtements. C'est ma passion, c'est ma vie avant tout. Et je suis femme aussi je suis là quoi. Une conférence avec Eliette le Superbe qui a pour terme l'entrepreneuriat des femmes. Comment développer son entreprise femme avec toutes les difficultés et les rencontres? Est-ce que ce serait aussi intéressant? Je pense que je rigole parce que j'étais en train de discuter avec une cliente qui me disait mais Tu devrais parler de ta vie, tu devrais donner ton exemple parce qu'il semble que ce n'est pas simple ton cheminement et peut-être que ça donnerait beaucoup de force, mais ce serait un exemple pour d'autres femmes. Alors je lui ai répondu que j'y penserai, je vais y réfléchir parce que c'est quand même, ça englobe ma vie professionnelle et ma vie privée. Et elle m'a répondu, mais quand on est un petit peu public, on ne peut pas avoir forcément une vie privée. Et voilà, mais ça aurait été intéressant que je puisse donner quelques brides de mon parcours et des difficultés que nous rencontrons, nous les femmes, quand nous décidons d'être maîtres de notre vie, de notre business et comment il faut jongler avec. Et ce n'est pas toujours évident. Franchement, il faut y aller. Mais en tout cas, je dis aux femmes, il ne faut rien lâcher. La vie est compliquée, mais elle est belle aussi. Alors, j'attends cette conférence, l'entrepreneuriat, comment réussir sa propre entreprise en tant que femme. Là, voilà le titre de la conférence. Écoute, Vanda, je te laisse mettre en place cette conférence et fais-moi l'invitation, je viendrai avec plaisir. On va découvrir quelques collections des boutiques éphémères, dans des pop-shops aussi. Tout ça, ça va venir fin 2024-2025. Alors, c'est vrai que j'ai eu de la demande et j'y réfléchis parce que j'ai une boutique, mais... il n'est pas évident de toujours, de toujours être partout. Donc, il faut être sélectif et il faut savoir dans quel cadre qu'on veut faire, où on veut aller, quoi, et où je veux exposer, en fait. Mais j'ai eu beaucoup de demandes et j'y réfléchis. Et là, pour terminer, on va conclure. La prochaine date du défilé. Donc aïe, il faut nous la donner, hein. Parce qu'on va venir. Je vous ferai l'invitation. Promis. Les gens qui n'ont pas les réseaux sociaux, qui ne communiquent pas sur les réseaux sociaux, comment font-ils si, Mais je pense que les gens sauront quand je donnerai les dates ou si c'est à venir. T'inquiète pas. En Guadeloupe pas. En Guadeloupe, ailleurs ou... voilà, en Guadeloupe ou ailleurs. Quel est le site d'Eliette le Super pour qu'on puisse suivre la collection et surtout connaître les dates des tournées des prochains défilés? Alors, les prochains défilés, je pense que... Alors, moi, je ne suis pas... Les invitations tombent, j'y réfléchis, j'y vais et puis on voit les images parce que je pense que les gens vous verront en temps réel, en live, on va dire, ce qui se passe. Parce que c'est un peu comme ça que je fonctionne en général. Mais pour les défilés, s'il y a un défilé spécial, Eliette le Superbe, vous inquiétez pas, je pense que vous le saurez. Je ferai passer l'information
pour que les gens soient là. Réseaux sociaux, Facebook, réseaux sociaux, Insta, Facebook, TikTok. Eliette le Superbe, design, Eliette le Superbe, Insta, Facebook, les informations sont là, les réseaux sont là pour donner l'information.